Sœurs et frères bien-aimés, un grand bonjour à toutes et à tous. Nous nous trouvons donc dans la situation de celui qui est béni. Car ce matin, Dieu nous fait grâce, Dieu nous donne la vie. La vie a circulé dans le poumon, dans tout sang, dans tout système. Le temps est venu maintenant de rendre grâce et de nous consacrer à notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Bienvenue à toutes et à tous à notre office du matin. Je vous salue, Marie, une prière. Mes yeux chers dans les cieux, ô notre mère, son amour est partout, dans tous les cœurs. Elle est tout comme à Lourdes, donnant petits et grands chantons, riches et pauvres priants, ils viennent tous à la source, demander à la douce d'exaucer leur prière. Ils ont un jour péché, ils prient l'immaculée, ils demandent à leur mère de porter près du père les regrets de leur cœur. Je vous salue, Marie. Une prière, mes yeux chers dans les cieux notre mère, son amour est partout. Je vous salue Marie, Vierge bénie, vous êtes dans nos cœurs, lumière et tout esprit, mère de tous les cœurs. Malade, boiteux, traînant, près de la source coulant, ils implorent son pardon, demandent guérison, ils versent tous des larmes. Et toi, dans ta bonté, tu en auras pitié, sortant une prière de ton cœur, cette mère, ils sont tous délivrés. Je vous salue, Marie. Une prière, et je cherche dans les cieux notre mère, son amour est partout. Je vous salue, Marie, Vierge bénie. Vous êtes dans nos cœurs, lumière et ton esprit, mère de tous les cœurs. Un matin, bon Dieu avait invité, ou l'avait invité, me découvrir et un paradoxe. Le paradoxe, ça veut dire, c'est pas quelque chose de vrai. Mais, autant que le vrai, il n'est pas facile à découvrir. Et au qu'on passe beaucoup de temps, on ne peut même rendre compte de ça. Quel est le paradoxe que vous-même et moi-même, nous sommes invités à découvrir ce matin? C'est celui de l'évidence de la grâce. Que nous puissions le c'est une réalité qui est vraie mais qui drôle en pile mon qui remet on a qui bon côté ou là pas même ouais ça mon qui a pédé ou là ou pas même rendre compte de ça mon vraiment qui venait pour le sauver ou là par les deux qui manquaient dire ça. Les paradoxal, mais les vrais, et que quelque côté bon Dieu qu'on met au pour grandir, et puis ou aborder le très mal. Que des mondes bon Dieu qu'on voyait bon côté ou, avec l'époque à arriver joindre bon Dieu, et puis ou même, ou à tirer pied. Et puis en contrepartie, très tristement,
Souvent, moun ki konn pa même vle ou la même, c'est dans quoi le collé. Moun kap chèche détruit ou la. Tristement, souvent, c'est konn pokote lou ta vle rete. Moun ki ta vle pou souf ou coupé, ki vle pou l'utiliser ou la, ki prend ou pou. Et sa patte la. Tristement, ou konn se bokote l ou ta vle avanse. Alors, au fils matin, hein, bon Dieu a dit ou bon Dieu a dit, le salut a passé bon côté. Là, j'ai mis au branle. Parce que situation ça, il est arrivé en pile peuple dans la Bible, notamment peuple Jérusalem. Là. Le bon Dieu voyait ange de bon côté. Discerner présence, les biologiques mains, prend grâce là. Quand la grâce passe, la grâce est à prendre. Quand Dieu passe, il est à expérimenter, il est à vivre, il est à embrasser. Fremsem, pas commettre même erreur avec peuple juif là. Pas commettre mes erreurs avec peuple Jérusalem, non. Pas commettre mes erreurs avec docteur de la loi, yo. Grand sacrificateur, yo. Pharisien, yo. Sadducéen, yo. Grand théologien, yo. Quand le Christ est parmi nous, quand le Christ est là. Discernez, yo. Discernez-le. L'enjeu, yo. Et laissez présence, les transformer, yo. La belle journée, je dis c'est ça qui commençait à hein? Songer pour l'ouvrir cœur. Parce que au monde, bon Dieu mette bon côté. C'est lui qui vient pour aider. Pour aider grandir, pour aider avancer. Embrasser-le. Il y a une situation côté bon Dieu pour le mettre là-dedans. Il y a un contexte pour le mettre. Songer pour embrasser-le. Et pour grandir avec elle. Gon position, bon Dieu, admettez-vous. Embrassez-le. Et puis grandir avec elle. Que la grâce est tout près. Oui, la grâce sera tout près. L'heure vient donc de la discerner. Et de l'embrasser. Jésus, tu sauvais les Juifs, mais ils ne t'ont pas vu. Qui était pour eux le fils du charpentier. Sur la colline, ils t'ont abandonné, toi, Dieu vivant, qu'ils n'ont même pas reconnu. Jésus, les Juifs n'ont su voir qu'un homme rejeté. Ils ont moqué le faux prophète mort. Ils ont plongé la lance dans ton corps. Ils n'ont pas vu l'espoir qui se levait. Jésus, les Juifs n'ont pas vu le signe sur ta main, la main crispée du Maître et du Créateur, qui bénissait le monde des pécheurs. Ils n'ont pas vu mourir le Saint des Saints. Ô Jésus, que vienne le jour de toute vérité, où nous aurons enfin les yeux ouverts sur cette grâce et cet amour offert. Ô Jésus, que vienne ton jour de majesté. Ô Jésus, que vienne ton jour de majesté. Ô Jésus, que vienne ton jour de majesté. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Esprit Saint, merci. Merci, bon Dieu Papa, merci.
Aujourd'hui, c'est jeudi, frères et sœurs bien-aimés, nous allons méditer les mystères lumineux du rosaire. Et en ce 28 mars, et pas 27, 28, nous allons donc méditer les mystères. Nous allons méditer la vie de Saint Castor, qui était martyr en Turquie. C'est ça que l'Église a demandé nous aujourd'hui. Ils sont capables de regarder pendant toute semaine comment nous méditer sur la vie des martyrs pour comprendre et que la foi que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Appelle mon démon Ripouli, il va le culminer demain dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Fremsum, le vrai cœur, et dans le chapelet, tournons-nous vers Dieu ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, en poussant cette affaire par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Saint Castor, martyr, intercédez pour nous. Saint Castor, martyr, intercédez pour nous. Saint Castor, martyr, intercédez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs, disposons-nous, entrons dans le silence de nos cœurs et préparons-nous pour la méditation du premier mystère lumineux.
Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Immédiatement, Jésus-Christ fut baptisé, était sorti dans de l'eau. Hein. Voilà que ciel Dieu l'ouvrit. Et Jean-Baptiste cap gardé ouais, l'Esprit bon Dieu cap descendre sur Jésus-Christ en couillon colombe. Et puis colombe l'a venu le poser sous Jésus. Et qui on voit dans le ciel là, qui a déclaré, qui a proclamé, si là, c'est petit moi remet en pile là, et dans les mêmes, moi déposer tout amour. Moi remet les en pile. C'est ça nous lit dans Matthieu, dans l'évangile selon Saint Matthieu, dans l'évangile d'après Matthieu qui saint, chapitre 3e, verset 16. Acte 17. Prémsem. Jésus-Christ a reçu le baptême, non? Dans mes cousins, le Jean. Et puis, pendant le soutien dans l'eau, le texte l'a dit, nous, que ciel y a l'ouvrit. Ciel y a l'ouvrit. Parce que le baptême n'a gagné. Et yon. Et fait que les produits de la vie moune. Il fait moune sorti de la vie naturelle pour lui entrer dans la vie spirituelle. Baptême, il fait moune sorti dans le monde là, pour lui entrer dans la grande famille de Dieu, pour entrer dans l'église. Baptême, il recouvre moune avec un manteau de grâce, un manteau de bénédiction. Le monde recevoir le baptême, en effet, et si elle l'ouvrit, pour si elle l'ouvrit, et bon Dieu a déclaré sur vous-même, amour. Appelez-nous par rendre nos comptes. Nous fait partie du peuple de Dieu en vertu de notre baptême, à cause de notre baptême, par notre baptême. Appelez-nous qu'on réjouit nous. Le nap marié, le nap communié, le nap vintouné prêtre. Parce que dans la vie adulte, nous voyons comme des accomplissements, des promotions, des grades que nous apprenons. Mais puis gros fête là, puis gros célébration, l'état d'où je vous baptême. Son jour où tu as de chercher qu'on est et puis pour t'as célébré. Naissance, c'est un bel jour. Parce que maman, on t'a mis au monde. Tu t'es walk-up crié. Docteur a tes points et puis il t'a déposé dans le bras maman. Papa, on t'a là, on est content. Famille, ou aller l'hôpital là-bas où ils ont papier. Ils ont mis des timbres. Et puis, ben, on y a un nom. C'est un bel jour, mais. Jour qui pique extraordinaire, c'est jour entrant de famille bon Dieu. Ya. C'est jour que Satan pas de pouvoir sur vous encore. Ya. C'est jour que le prêtre là pas le point l'huile Saint-Crème, pas le consacrer. Il pas le passer dans l'estomac. Il pas le passer dans le dos. Il pas le passer l'huile là sous deux épaules. Ou. Sous oreilles. Ou. Sous yeux. Ou. Sous lèvres. Ou. Il pas le proclamer. Grâce, faveur, bénédiction bon Dieu. Oh, je baptême. C'est un heureux jour, frère Mzem. Parce que pour le ciel, là, il ouvre pour vous. Alors, matin, frère Mzem, en nous renouveler pour mes baptêmes, nous, au matin. Hein. Nous ne pas rebaptiser tête, nous, mais nous capables de renouveler pour mes baptêmes, nous. Parce que, pile dans nous, je dis là, que ça t'a mis les pieds sous le cou, nous, c'est parce que nous avons tout fait image baptême dans nous-mêmes. Identité baptême, non, saut baptême, non, tout fait le droit dans nous-mêmes. Capil nan nous, qui capable à juste titre, dit, je me baptise, je ne pas de connaître, et ça fait pas j'aime vivre baptême, moi, comme une vraie réalité. Alors, matin, hein, opportunité à lui offrir à vous-même. Bon Dieu a dit, bon Dieu a dit,
vous êtes des baptisés, vous êtes mes enfants par votre baptême, alors renouvelez en vous vos promesses de baptême. Et que Matthieu, vous venez tout neuf, et que par ce baptême, vous devenez prêtre, prophète et roi. Que par ce baptême, vous devenez prêtresse, prophétesse et reine dans le royaume de Dieu, de la grande famille des enfants de Dieu. De cette première dizaine, demandons la grâce du renouvellement de la vie spirituelle en nous. Le renouvellement de la vie spirituelle en nous. Le renouvellement de la vie spirituelle en nous. Mais grâce n'a pas des matins pour la vie spirituelle qui est dans moi-même. La vie spirituelle qui est dans moi-même pour les renouveler matins. Pour les renouveler matins. Pour les renouveler matins. Première dizaine. Première grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous.
Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine. Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Ces castors martyrs, priez pour nous. Ces castors martyrs, priez pour nous. Ces castors martyrs, priez pour nous. Et maintenant, mes frères et sœurs, disposons-nous. Prenons un moment dans le silence de nos cœurs et préparons-nous pour le deuxième mystère lumineux. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Trois jours après, tu as eu un mariage dans la ville Cana, dans la région de la Galilée. Maman Jésus était là. Jésus lui-même tout, il était invité dans la réception de noces là, avec tout le partisan lieu. Et puis voilà, il n'y a pas gagné du vin encore. Maman Jésus-Christ dit, il n'y a pas gagné du vin encore. Jésus-Christ répond, maman lui dit, madame, qui sont besoin, moi, non, mais moi, le pamna, il est beaucoup arrivé. C'est le ça. Donc, maman l'a dit, le monde qui l'a observé, tout ça, il dit, nous fait, fait-le. Vraiment que c'est mieux. Tu as un mariage qui t'a fait. Et ce mariage-là, qui prend l'occasion pour Jésus-Christ, fait premier miracle. Très souvent, nous pas valoriser le sacrement mariage-là assez. Si pas de mariage, comme on a voulu pour tout le monde fait, pour grandir dans un bon environnement, si pas de mariage, comme on a voulu pour gagner un bon sentiment qui développait, dans respect à la dignité, l'une pour l'autre. Quel type de famille qu'on capable de gagner? Ce n'est pas qu'un mariage. Gagner un ensemble de vertus, un ensemble de qualités sociales, communautaires, on va développer ou en dehors du mariage. Et pour aller plus loin, même l'esprit de sacrifice. Apprendre à vivre ensemble, c'est un cadre familial que vous développez. C'est peut-être ça. Nous, tu dois encourager
nous devons développer et nous devons supporter le mariage. Tout côté nous passer. Malheureusement, dans le monde de la Jodia, un groupe qui est plus en faveur du mariage, c'est le groupe LGBT. On dirait que c'est eux-mêmes qui parlent plus de mariage. Et tristement, dans l'église, nous sommes plus à promouvoir les gens qui ne sont pas mariés, les gens mariage écrasé, les gens qui détruisent le mariage de l'autre monde, les gens qui ne sont pas aucun modèle de couple. C'est comme pour dire, par le fait que l'église a développé un pile aspect l'hôpital là, nous avons des gens qui sont blessés, nous avons des gens qui ont subi des moments difficiles de mariage. Yo. Et puis, dans le cas de ça, les couples mariés, les gens qui ont fait des efforts pour avancer, nous avons fait yo, aider nous justement pour aider l'autre monde. Fremsem, c'est dans nos communautés, c'est dans nos groupes, c'est dans nos églises. Ne pas bailler la famille, j'arrête. Ne pas servir avec moun qui marié yo. Ne pas inviter moun qui marié yo pour aider nous dans le ministère yo. L'église nous yo, pape. Des assemblées familiales encore. Mais l'église nous yo, nous sommes capables de dire nous vivons en communauté vraie. Or, nous définissons bon Dieu comme un papa. Bon Dieu, c'est papa nous qui est dans le ciel là. Et s'ils sont papa, ça veut dire c'est la tête de la famille. Même les gens qui sont dans l'église là avec nous, nous sommes le prêtre, nous sommes le père. Père Eutel, père Eutel. Donc l'église là, c'est une grande famille. Il y a eu le temps pour dans l'église nous, nous promouvoir et nous utiliser, nous servir, nous demander aide, nous demander support, famille. Parce que avec famille, nous avons un environnement propice et favorable pour nous développer des vertus communautaires, comme le respect l'un de l'autre, comme la quête de la dignité l'un pour l'autre, comme la bienséance, comme l'envie de travailler, comme l'esprit du sacrifice de soi. Tout ça, on développe dans la famille. Voilà pourquoi matin, la deuxième dizaine de ça, nous allons prier pour le renforcement familial. Renforcement familial. Renforcement familial. Pour Dieu te prie, ma famille, j'arrête. C'est ça que nous avons dit au matin. Et à travers le ministère, nous, bon Dieu, aidez-nous solidifier, supporter et promouvoir la vie familiale. Deuxième dizaine, deuxième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vos princes de la milice céleste, reposez en enfer par la vertu divine. Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde, pour la perte des âmes, et si soit-il. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous. Entrons dans le silence de nos cœurs et préparons-nous pour la méditation du troisième mystère lumineux. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. Dans Bonne Nouvelle Jésus-Christ, selon d'après Marc Kissin, chapitre 1er, verset 15, il y a une grosse déclaration que Jésus-Christ fait dans le commencement du ministère public. Alors il dit en effet, il a cité, tant yo accompli. Royaume bon Dieu à tout prix. Changez que nous. Et puis quoi? La bonne nouvelle là. Si vous regardez bien, Jésus-Christ commençait par, pour nous, c'est résumé ministère li, une phrase et pour dans ça. Tant yo accompli. Tant yo accompli. C'est une invitation pour nous aborder le temps comme une réalité qui guette arriver dans
tout ça que le dédoué produit, tout ça que le dédoué bail. En d'autres termes, sont capables de le temps favorable, le temps propice, le moment opportun, c'est le présent. Patonne demain ou bien après-demain pour réaliser ça, bon Dieu, mettez sous cœur. Pas dit, ma guetan. Ma guetan ça ou pas gagne. C'est-à-dire, plus gros cadeau qu'on gagne, c'est le moment présent. C'est le maintenant. Alors, la Théo dit, hic et nunc. Ici et maintenant. Koto woye ala. On va suivre chapelet, on a fait chapelet ensemble. Dans le moment ça là, koto woye li sete mouel ka, on a fait chapelet. C'est lui qui moment favorable là. Donc, vive-li pleinement. Vive-li ak tout sorgueye. Vive-li ak tout moun koye ya. Pas tant demain pour vivre, pas tant demain pour faire ce qu'on peut faire, ce qu'on bien on doit faire. C'est à 6h45 ça là pour faire. C'est pas demain. C'est pas après-demain. Per face et néfaste. Quel que soit ça qui pourra le passer, quel que soit Jean Bayot arrivé, qui te volonté bon Dieu faite, mais ou même vivre pleinement moment qu'on va vivre là. Vivre pleinement. Ça va vous dire pour ne pas user de prudence. Ça va vous dire pour ne pas faire attention. Ça va vous dire pour avancer de la vie avec naïveté. Connais que l'Esprit bon Dieu qui n'a ou même la permettre qu'on avance les gens pour avancer bien. Mais, pas quitter danger qu'on est capable de discerner fait que ou pas vivre, j'en pourrais vivre. Parce que, ça pour accomplir, c'est moment ça là qu'on gagne pour accomplir. Te couche à plaît ça là, on va faire là. Pas faire la demi, pas faire la moitié. Pas faire chapelet en morceau, pas faire chapelet en tiaqué. Pas faire chapelet pendant on va quitter le bagage distrait. Parce qu'on capable gagner l'autre chapelet pour faire. C'est moment ça qu'on gagne. Ouais, chapelet n'était fait hier. Li quand t'as passé déjà. Ça pour te faire dans vie là, il fait déjà. Chapelet hier, nous, pas besoin de considérer l'encore, parce que le gars est passé. C'est chapelet Kounia, qui a fait un moment ça là, c'est lui-même qui favorable. C'est lui-même qui opportun. Donc, nous avons besoin de faire, les gens pour nous faire. C'est nous devons faire. De telle sorte que si ce dernier chapelet n'a pas fait, pour nous aller sans regret et pour nous aller tout avec sentiment. Que dernier chapelet ça ne fait les ouvrez nous les portes du royaume des cieux. Donc tout sera fait dans la vie, toujours songer, les temps sont accomplis. C'est le présent qu'on gagne. Donc dans le présent, fais tout ce que tu dois faire pour arriver dans le royaume ciel là. Fais tout ce que tu dois faire pour capable ouais bon Dieu. Fais tout ce que tu dois faire pour bon Dieu capable prendre plaisir là-dedans. Nous allons faire troisième dizaine ça pour demander bon Dieu grâce spéciale ça. Seigneur, aide-moi vivre moment présent dans fait volonté. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté dans le présent, dans le moment présent. Seigneur, aide-moi à te rencontrer dans le présent. Aide-moi à aider les autres à te rencontrer dans le présent. Frères et sœurs bien-aimés, nous supposons que nous, pour notre donc la troisième dizaine, ça, troisième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation.
mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Ces castors, martyrs, priez pour nous. Ces castors, martyrs, priez pour nous. Ces castors, martyrs, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposez cœur, disposez tout vous-même, et en nous cognant donc, préparez-nous pour la méditation du troisième mystère, du quatrième mystère lumineux. À nous entrer donc, il y a un petit moment, dans le silence, font que nous. Thank you.
Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Et 6 jours après, Jésus-Christ prend avec lui Pierre, Jacques et puis Jean, frère Jacques-là. Il était mené au côté à l'écart, sur une montagne qui haut en pile. Et là, Lévin transfiguré devant eux, visage lié. Vin brillant tant qu'au soleil. Il va dire qu'il était sous lui. Devine blanc. Vêtement lui, vin blanc. Tant qu'au lumière. C'est ça que nous lisons dans l'évangile Jésus-Christ selon Matthieu qui saint, chapitre 17, verset 1 à 2. Jésus-Christ, et c'est ça nous matin, il prend apôtre à l'écart. Il est à l'écart. Son montagne qui roule en pile. Parce que gagner des révélations le pour le fait à vous-même, ou pas arrêter dans mitan foule. Ou pas capable arrêter dans mitan foule. Et trop malheureusement, et souvent des chrétiens qui ont été trop à l'aise dans la foule là. Frère, je suis des révélations pour le faire à vous-même. Il faut avoir courage pour sortir dans la foule là, pour aller à l'écart. À l'écart, on veut dire, pour entrer beaucoup plus profondément dans une vie de prière, pour entrer beaucoup plus profondément dans une vie de moralité, pour entrer beaucoup plus profondément dans une vie missionnaire. Vous pouvez vous connaître, même si nous sommes dans le monde là, mais nous ne faisons pas partie du monde là. Alors en français, formule l'apôtre Saint Paul là, c'est nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pas parce que nous sommes nous ensemble avec eux, pour nous rester croyés que nous devons vivre même gens avec eux. Nous devons fonctionner même gens avec eux. Non. Pour nous capables, tout bon vrai, gagner révélation, bon Dieu, dans nous-mêmes. Révélation petite, bon Dieu, dans nous-mêmes. Révélation de l'esprit, bon Dieu, dans nous-mêmes. L'important matin, pour moi, avec au point conscience, de nécessité ça, pour nous vivre à l'écart du monde. Frère Mzem, la musique là qui est à la mode dans le monde là, n'est pas qu'à bouche. Le style habillement là qui est à la mode dans le monde là, il faut faire attention à elle. Le langage que le monde là a utilisé là, il faut prendre précaution. Il ne faut pas la guerre. Le style de bamboche qui est à la mode dans le monde là, il faut faire attention. De façon, que mon nom monde là a fait kobio, faut prendre précaution pas qu'à la guerre comme ça pour dire comme ça tout le monde fait bon fait tout dicton ça en français les dangereux en pile tout le monde le fait le donc il y a parce que tout le monde fait non pour faire est-ce que les n'a volonté bon Dieu donc, n'oubliez pas si vous voulez vraiment que Dieu le Père que le Fils Jésus que le Saint-Esprit et se révèle à vous, tenez-vous à l'écart, à l'écart, à l'écart du monde. Voilà pourquoi le quatrième dizaine, ça, nous a des belles grâces, ça. Bon Dieu, fais de nous des consacrés. Garde-nous à l'écart du monde. Garde-nous à l'écart des pratiques de ce monde. Quatrième dizaine, quatrième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Un cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui et son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine. Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Saint Castor, martyr, priez pour nous. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous pour méditer le cinquième mystère lumineux. Prenons un moment dans le silence de nos cœurs. Cinquième mystère lumineux,
l'institution de l'Eucharistie. Pendant que tu es à table et à manger, un bel jour, je dis c'est ça. Jésus-Christ prend un pain. Il prononce bénédiction. Il casse. Il baptise Lio et puis il dit, prends. Mangez là dans nous toutes. Réellement vrai, ça, c'est comme. C'est ça nous lit dans l'évangile de la bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Matthieu qui saint, chapitre 26e, verset 26. Nous regardons dans le texte, il dit Jésus-Christ prend pain. Il prend pain. Et puis il prononce bénédiction. Il est cassé et puis il baptise en lieu. Et c'est pas pain seulement pour l'utiliser. Égal point du vin également. Mais en pile dans nous besoin comprendre pour que ça c'est pain et que qui utiliser là repas fait Pâques là. Et pas n'importe qui pain, un pain qui sans levain, un pain qui sans sel. Et un pain qui ca conservé. Un pain donc qui est son nourriture pour une route qui est longue. Un pain qui là pour capable manger pendant qu'on va libérer ou pendant qu'on va sauver, pendant qu'on va déplacer. Ce n'est pas un pain pour un jour de jour, mais c'est un pain qui doit tourner en nourriture pour un monde qui n'a pas de temps sur la route là pour la chita faire manger. Il y a une nourriture donc de voyageurs, une nourriture pèlerin. Il y a manger que je peux conserver pendant ce route là. Je ne sais pas qui ça me va le venir dans la route là. Mais je suis là avec ça en réserve. Voilà l'origine du pain et de la Pâque. L'Israël a quitté l'Égypte. Et bien, même pain ça, Jésus-Christ dit c'est comme moi. Donc, comme moi, qui prale en nourriture pour tout le monde qui considère être comme pèlerin sous terre, et qui connaît une route qui est longue, et qui connaît une route que vous y a, il y a besoin de nourriture pour avoir force, une nourriture qui peut gâter, une nourriture que, autant qu'il y a grand goût, qu'il y a besoin. Frère, on va remarquer que très souvent, on plaide à manger, nourriture qui a passé. Trop souvent, on va appuyer sur une bonne nourriture qui a varié. Trop souvent, on va essayer de consommer une série de nourriture avant même les gâteaux arrivent dans la bouche. Il est gâté déjà. Il n'y a pas de vitamine, il n'y a pas de consistance. Ça faut pas le que il n'y a pas de vitamine, il n'y a pas de consistance. Et bien, c'est pendant ce route là. Il perd du force. Qui j'en perd du force? Le tristesse pour le venir. Le problème pour le venir. Les difficultés pour le venir. Les persécutions pour le venir. Pour pas le pas de résistance. Le timoun, petit bébé a. J'ai la purée lamelle, l'envelle pour aller mourir dans mon. Et pour pas gagner force, pas gagner dedans. Le travail, la bonne pression. Et pour venir, ou pas gagner force, pas gagner dedans. Le monou te compte sur yo, ou bien monou a pédé. J'ai quoi, pour tout nos persécutions, on pongongon, on encore. Et pour venir, nous compte qu'on pas gagner dedans, ou pas gagner résistance. Tic tic avec la joie, ou parti. Tic-tic-crac pour rien.
Et pour ouais, il était tout gâteau chaud par un côté pour mettre corps au pagain en dedans. Et Satan pour plaisir dans ça. Parce que lui-même la courir dehors pour le faire dans marcher pour que tu perdes du force, perdes du résistance. Donc nourriture qu'on besoin pour qu'à faire route là sans que fatigue pas pour te aller. Nourriture ça, c'est présence mon Dieu. Présence mon Dieu. Et ça fait n'a dit au pico cadeau qu'a fait tête tout. C'est chercher rencontrer avec bon Dieu. Parce que l'orgue bon Dieu, le bon Dieu en dedans son nourriture. Et on capable découvrir puissance nourriture ça. Le problème qu'on pas rencontrer et qui gens pas le ou réagir par rapport à lui-même. Gou façon pour réagir face à problème et ça que pas le faire ouais ou de ganda. Ou de manger, ou de consommer en nourriture, qui bon force. Parce que le bon résistance, résistance face aux persécutions, aux difficultés, aux tracas, aux problèmes de la vie, du quotidien, notamment face aux attaques de l'adversaire, face à la poursuite de l'ennemi. Alors, Mater, on nous fait provision de présence, mon Dieu. On nous fait provision de présence d'esprit. Pour nous capables de jump, pour nous capables de ferme face aux difficultés, face aux tracas de la vie. Le vrai mère. Dans cette cinquième dizaine, demandons à Dieu la grâce de sa présence aimante et vivifiante. Seigneur, fais-nous grâce de ta présence aimante et vivifiante. Cinquième dizaine, cinquième grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Ô grand Saint-Michel Archange, défendez-nous dans les combats. Soyez notre secours contre la malice et la méchanceté du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous prenez de la milice céleste à repousser en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins, qui errent le monde pour la perte des âmes, ainsi soit-il. Et ce castor, martyr, priez pour nous. Et qu'on y ait à frem, et qu'on y ait à sem, l'ouvre-cœur pendant un petit moment, et laissez que puissance, bon Dieu lui-même, habite dans vous-même, remplis-vous tout entier. Au moment ça, écoutez, n'a pas regarder vers lui-même, pour nous jouer le matin en force, pour nous continuer. Cette route, cette mission, ce chemin que les déposés nous la donne. Le vrai maire, fais mes yeux si vous êtes capable et à nous laisser nous envahir par la présence de Dieu. Levez deux mains, et à nous répéter ensemble cette prière pour exercer notre ministère en tant que prêtre, en tant que prophète, en tant que roi, par notre baptême. Levez deux mains. Au nom de Jésus, en vertu de mon baptême, je prends autorité à l'instant sur tout ce qui se trouve autour de moi. J'invoque à l'instant sur ma personne et tout ce qui m'entoure la grâce et la puissance de la présence de Dieu. Que la présence de Dieu maintenant recouvre et habite tout ce qui m'appartient, tout ce que je vais voir, tout ce que je vais toucher. Que la présence de Dieu recouvre et habite toutes mes possessions et tout ce que je vais utiliser. Au nom de Jésus, par l'autorité de mon baptême, je lève les mains à l'instant et j'évoque le Saint-Esprit de Dieu pour chasser loin de moi, loin de ce que je possède, loin de ma famille, tout esprit mauvais, tout esprit malsain, toute attaque de Satan, toute persécution de l'adversaire. Je les chasse, je les rejette, je les renvoie en enfer pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus,
par les mérites de ses saints de blé. Par son sang coulé sur la croix, par sa passion, sa mort et sa résurrection, par son ascension dans le ciel, je déclare ce matin, sur moi et sur ma famille, sur tout ce que je possède, sur mon ministère, sur ma mission, sur mon travail, sur ma famille, sur mes enfants, je proclame à l'instant la libération. La libération. La libération. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Je proclame ce matin sur tout ce que je possède, sur ma personne, sur ma famille, sur ma mission, que coule le sang précieux de Jésus, que tombe le Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, consacre-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, envahis-moi, ainsi que tout ce que je possède, ainsi que toute ma famille, ainsi que ma mission, ainsi que mon travail. Esprit de Dieu à l'avant, Esprit de Dieu à l'arrière, Esprit de Dieu à gauche et à droite, Esprit de Dieu au-dessus et en dessous, Esprit de Dieu partout. Que je sois aujourd'hui un enfant de lumière, un enfant de la grâce, un enfant d'amour, selon le cœur et la volonté de Dieu. Maintenant et à jamais. Amen. Amen. Et amen. Le 28 mars, ça, l'Église catholique a invité nous pour nous garder la mémoire nous et pour nous prendre exemple, pour nous tirer ce modèle la vie un jeune garçon, Castor, avec un autre ami, Dorothée, qui était à le prêcher dans la ville côté Paul, de Moun, et Tars, dans Cilicie. Et le prêché là, c'était à l'époque, quand il y avait un pile paganisme, il y avait un pile de vie païenne. Et puis, il n'y a pas de remède, il prêche là. Il y a un prêche à l'époque qui était axé en pile sous le monde qui n'a bon Dieu, pas de différence. Le monde qui n'a bon Dieu, pas gagné qui est esclave, puis gagné qui pour libre. Tout le monde égal, égaux, national, nationaux. Parole qui pas te fait plaisir. Parce que société, à l'époque, ça était très féodal. Il y a des gens qui étaient dans l'air net, il y a des gens nobles. Après ça, il y a des gens qui ont une puissance militaire qui a protégé les nobles avec bien. Et pour les peuples là, et puis
Naomi qui a travaillé comme paysan. Après ça, la kay nob yo, ou te fè nan pil moun ki esclave. Esclave yo, c'est moun ki ou te pran. Après, yo fin fè guerre, yo fè de razia, ou se de côté al pillé, al krasé. C'est ça l'armée, nan tan longtemps. Et pour ça, yo te utile, ça yo te réglé. Aller, on se de côté pillé pour prendre bien, on se de notre nation. Et puis, yo fin prendre bien ça, pour yo camper encore, pour yo suivre. L'autre monde qui a joui bien ça, qui c'est des nobles. Donc, réalité, ça que tu as fait là, tu as une cause que quand le monde a fait guerre, a fait razia comme ça, le monde qui perd du bataille, il prend, et puis il transforme en esclave, il fait vini dans un grand domaine, dans un grand château, côté même nobles, ça a vivre. Puis c'est monde ça qui servit comme auxiliaire de maison. Puis là, qu'on utilisait tout dans le jardin, dans le travail, comme artisan, comme paysan, etc. La société, ça, l'on vient avec une prédication, avec un message, que Jésus-Christ a dit, de pour monde, ou quoi, de pour baptiser, nous tous ces frères et sœurs, pas des esclaves, pas des monde libre, pas des riches, pas des pauvres, son message qui n'a pas fait plaisir, parce que vous venez attaquer la structure société à lui-même, une société qui est très inégalitaire. Une société chez manger chez, une société où des mondes a détruit l'autre. Alors Castor, avec l'autre compagnon, il n'y a pas de peur pour aller prêcher parole là. Mais tu connais qui danger que tu es dans ça tout. Parce que les paroles là prêcher, il faut qu'on ait les gens danger là-dedans. On a bien mené le système, non? Le système en place là. Il n'y a pas qu'à content avant. Alors, il fait complot, il fait coup de mal taille. Ils ont arrêté Castor et puis ils ont martyrisé. Ils ont tué lui et ils comprennent. Et qu'ils ont remporté des victoires. Mais comme pareil, qu'ils ne connaissent pas. La parole de Dieu sont semences que lui. Dès qu'on s'y mêle dans le monde, il a besoin d'une bonne terre quand même, côté la racine, côté la développer, côté la grandir. Et bien je vous dis, qu'il y a un paquet de monde à la ville de Tars. Qui convertit, qui peut le faire de Tars, une grande ville du christianisme, une grande ville de libération, une grande ville que le monde va aller vivre avec le monde, prédication de Castor pour aller aider ça. Parce que l'idée, on semence, qui était tombé dans des bonnes terres, dans des cœurs qui étaient sincères, qui étaient droits. Donc, regardez la vie Castor, ça va nous encouragement, même qu'à prêcher par le bon Dieu, pour ne pas jamais faire bac, pour ne pas jamais dire. Eh bien, comme il y a danger, je ne vais pas faire ça. Même si il y a danger, frère, je vais continuer à prêcher, continuer à faire le travail. Parce que bon Dieu que nous avons servi, nous avons fait une mission nous, avec tout que nous. Eh bien, bon Dieu va faire une mission ça. Les avancer, les grandir et les porter fruits. Frère, je vais intercession ces castors. Pour pas jamais faire back la mission pao. Mon intercession, c'est Castor. Pour pas jamais raison quitter ça. Mon intercession, c'est Castor. Pour capable. Al pour des bonnes nouvelles là. Ne serait-ce que pour changer structure sociale côté Ouyéa. Pour changer réalité inégalitaire. Réalité d'oppression. Côté Ouab vive là. C'est Castor, martyr. Intercéder pour Haïti, ce castor martyr, intercéder pour l'Église, ce castor martyr, intercéder pour tous nous-mêmes qui soulignent la prière mater. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, rappelle-toi, nous nous unissons à Jésus qui entre dans sa passion et nous supplions le Père des hommes. Seigneur, rappelle-toi l'homme que les siens ont trahi. Seigneur, rappelle-toi l'abandonné qui redoute les heures de la nuit. Seigneur, rappelle-toi l'innocent que l'on arrête comme malfaiteur. Seigneur, rappelle-toi l'accusé injustement condamné. Seigneur, rappelle-toi le prisonnier frappé, humilié.
Seigneur, rappelle-toi, le juste que l'on mène à la mort. Seigneur, rappelle-toi, celui qui jusqu'au bout te fait confiance. Nous faisons confiance. Jusqu'au bout, Seigneur. Pas oublier, nous. Songez, nous. Pas oublier, nous. Songez, nous. Pas oublier, nous. Songez, nous. Où est et où connaît toute bagaille. Bon Dieu, où est et où connaît toute bagaille. N'a pas d'où t'en prie. Pas oublier, nous. Songez, nous, papa. Songez, nous, papa. Songez, nous, papa. Maintenant, Jésus l'a prié au matin. Les mêmes qui vivent et qui régnaient, avec ou même avec cet esprit-là. Et puis tout le temps. Et pour tout le temps. Amen. Frère, monsieur, l'ouvrir-mère, mais surtout l'ouvrir cœur pour la bénédiction finale. L'ouvrir-mère, mais surtout l'ouvrir cœur pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons que vous passiez une excellente soirée, excellente journée, pardon. En bas la grâce, en bas parapluie, protection pour Dieu. Et que pendant la journée, ça, baptême ou renouvelé, mission comme prêtre, comme prophète et comme roi. N'a pas rappelé tout le monde, je dis à ces judiciens, pendant que prêtre du matériel même, il y a renouvelé. Promesse à bon Dieu, ou même à Soya, n'aptanou dans différentes églises catholiques, mais spécialement, dans Cambridge, n'aptanou à 6 heures pour la messe de la Sainte-Seine, et n'aptanou tout dans Somerville, dans l'église Saint-Joseph, pas l'église Sainte-Anne, l'église Saint-Joseph, pour la messe de la Sainte-Seine. Donc Saint-John, c'est à 6 heures la messe, Saint-Joseph, c'est à 7 heures. Saint John, c'est à 6 heures. Saint Joseph, c'est à 7 heures. La messe de la Sainte-Seine. Je souhaite que vous passez une plus belle journée dans la vie. Sinon, plus belle journée dans la vie. Et que la pluie, ça va tomber. Si on la pluie, la grâce. On la pluie, bénédiction. On la pluie, protection pour vous-même. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde. Que mon Dieu kembe. Excellente journée, excellent jeudi saint à toutes et à tous. Bye bye tout le monde, à la prochaine. Merci Seigneur, merci mon Dieu, de tout mon être, merci pour tout, pour l'amour donné, pour tous tes bienfaits, merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, de tout mon être, merci pour tout, pour l'amour donné, pour tout tes bienfaits, merci. Pour l'aveugle qui voit, pour le muet qui parle, pour le sourd qui entend, pour l'infirme qui marche, pour l'athée qui croit, l'incrédule qui a la foi, le malade guéri, pour ton peuple béni.
Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. De tout mon être, merci pour ton cœur sacrifié, pour nos larmes séchées. Merci. Pour la paix retrouvée, pour l'amour partagé, l'assemblée réunie, pour tes enfants qui prient, tes serviteurs inlassables, les meneurs du troupeau, ta lumière dans la nuit, ta bonté infinie. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être, merci pour tout, pour l'amour donné, pour tous tes bienfaits. Merci pour cette âme égarée qui cherche ta voix, pour l'enfant rebelle qui revient vers toi, pour les dons reçus, pour tes grâces multiples, ta divine miséricorde et pour ton salut. Merci, Seigneur, merci, mon Dieu, de tout mon être, merci pour tout, pour nos cœurs contrits et pour ton pardon. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, de tout mon être. Merci, merci, et pour ton pardon.